lequel j'ai déjà joué. Donc on va commencer une nouvelle partie. Bienvenue. Ceci est le portail qui mène au monde des Pokémon. Mais avant de vous laisser entrer, j'ai plusieurs questions à vous poser. Alors oui, donc je vais vous expliquer. En fait, selon les choix que je vais faire, il va me choisir un Pokémon de départ. Le Pokémon que je serai. Je vais vous répondre avec sincérité. Donc on va faire avec sincérité, on va être très sérieux. On peut commencer, d'accord. Commençons l'entretien. Apparemment. J'appelle la police. Bon, on aura rien à faire, on va attendre. On ouvre la porte, hein. Peut-être parfois un peu tendu, bord à bord. C'est un terme, oui. Il y a un peu de bord à bord. Vous avez gardé ces défauts, les trucs de l'identité. Quelqu'un de comme peut-être un. Pokémon Go, bon bah tiens, c'est parfait. Alors, donc avec. Bah écoutez, on a du Pikachu. Oui, il y a du Pikachu. Attendez, qu'est-ce que je vais avoir comme faiblesse avec un Pikachu? Oh, mais oui, c'est pour le feu de la soupe. C'est très bien Pikachu. Alors je tiens à préciser que ce jeu est sorti sur Game Boy Advance mais qui est aussi sorti sur DS avec absolument aucun changement graphique. Peut-être un changement musical j'ai l'impression. Où suis-je? Est-ce que je rêve? Il y a une légère grise, c'est agréable. J'entends une voix. Qui est-ce? Eh oh! Bon, tu as assez dormi. Allez, réveille-toi. Tu réveilles enfin, génial. Où suis-je? Tu es tête à cette connaissance, je suis content que tu te réveilles. Je suis Pikachu, au point de rentrer. Et tu es? Une fois que je te vois. Quoi? Tu es là? Tu ressembles beaucoup à tout point de vue. Pourquoi je me rappelle de l'un? Tu es un peu étrange. Tu viens de dire ton nom? Mon nom? Ouais. Va mettre un cookie? Ou go cookie? Go cookie? Go cookie. C'est pas rapide. S'il vous plaît, à l'aide. Oh. Hein, j'entends des cris par là. Oh, Papy Illusion. Qu'y a-t-il? C'est vrai, mon chéri, pour être dans une croix, pourquoi l'aider? Quoi? Une impression sur le sort de petit bois, étage, moins 1. Voilà, c'est comme ça que fonctionne ce jeu. C'est un jeu en, entre guillemets, en tour par tour. On attaque chacun notre tour, en fait. Voilà, donc je l'ai tué, donc on va ramasser des objets. Le but est de ramasser des objets sur ce jeu-là. La moyenne, ce monde s'appelle le côté gars, impressionnant. Alors là, c'est un étage à... J'ai la solution complète du jeu, mais je vais pas l'utiliser. Alors voilà, là, j'utilise des attaques. Pas de capacité en possible, bon, là j'ai resté. Ah, on a pas de menu pause. D'accord. D'accord. Apparemment, il n'y a pas encore de menu pause. Donc, ouais, bon. Écoutez, on va aller. Là, je fais sprinter pour gagner un peu de temps, on va descendre.
toi et pas chez moi d'ailleurs. Oh bah c'est parfait. Oh, d'accord. Donc alors, capacité. Je vais passer un coursier. Voilà. Ah, ah oui. Voilà, donc comme d'hab, j'ai pris mon niveau. Après, chaque unité me prend un tour. Et là, je passe mon tour. Ah, là, je peux prendre. Voilà. Argent, quand on continue à descendre. La vidéo ne sera pas très impressionnante étant donné que la définition du jeu est de 240 par seconde. Thank you.
C'est ainsi que Pikachu et Kokoki commencèrent leur carrière de secouristes et créèrent ensemble leur équipe de secours. La musique est sur Game Boy, sur DS, elle est beaucoup mieux, mais bon, c'est quand même magnifique ici. Le lendemain matin. Regardez. Attendez, il y a un problème de sauvegarde. Donc les amis, on se retrouve après que j'ai réglé, enfin pas vraiment réglé le problème de sauvegarde. Apparemment il y a un système de sauvegarde. Il y a un système de sauvegarde en fait, et c'est... Enfin, si sauvegarde, bref, j'utiliserai un moyen, j'espère que je ne me ferai pas bloquer. J'ai réglé le problème du son, je l'ai diminué un peu le son. Je crois que je vais peut-être je vais vérifier juste si j'ai besoin de le diminuer encore mieux, encore plus. Donc je l'ai encore réduit, hein. Ça devra s'entendre je pense, parce que là c'est vraiment très fort avant. Mais rien ne se presse, nous n'avons encore pas encore reçu de demande. Oh attends, il y a peut-être quelque chose dans la boîte aux lettres. Quelque chose il y a dans la boîte aux lettres. Bouteille contient un kit de secours. Je savais qu'il serait là, c'est le kit de secours. Et ben ils sont rapides, hein. On t'en envoie toujours un lorsqu'il forme une équipe de secours. Il contient un badge de secouriste, une boîte à outils, pardon, et un journal Pokémon. Oui, c'est plein de choses utiles. Tout d'abord, le badge de secouriste. Il prouve que tu fais partie d'une équipe de secours. Si, c'est une boîte à outils. Elle sert à transporter les objets que tu trouves dans les donjons. Mais toi aussi, avec les objets que tu m'as donné, papier dessus. Ces objets sont très utiles et nous pourrons les utiliser lors de nos missions. Et le journal Pokémon, il y a plein de conseils utiles aux équipes de secours. Je remets le journal Pokémon dans la boîte aux lettres, tu devrais le lire à l'occasion. Rien d'autre? Pas de lettres? Je vais regarder. Mais elle est vide. Pas une seule lettre. Alors normalement, on devrait aller voir un truc au poste d'équipement. Personne ne connaît parce qu'on est créé dans l'équipe, j'imagine. Ah. J'adore ce bébé équipant. Ce sont les possibles dans le jeu. Alors, Donjon Mystère, c'est un univers bien propre, surtout dans ses premières versions, équipe de secours rouge et bleu, qui est complètement différent des nouveaux sur DS, et celui-là, il est vraiment... Non. Voilà, Kokoki est dans la boîte aux lettres. C'est peut-être une demande de sauvetage, qu'est-ce que ça dit? Kokoki est dans la lettre. Je n'ai pas en parler, s'il vous plaît, des nouveaux magnétiques des ennemis. Une électron... vague électromagnétique a jailli d'un bambou. Et quand un somme magnétique, pensez conforme à ton, il est pas fini tel qu'il est maintenant. On a besoin de un ami magnétique. D'accord. Qu'en dis-tu, on y va? Ouais. Ça c'est une réponse du quest. Ouais. Grand éclair, d'accord, c'est noté. Oh là, le thème de la grotte éclair. Il est génial. Vraiment, Pokémon a toujours eu d'excellentes musiques, mais c'est vrai que les donjons mystères ont toujours eu un petit faible pour les musiques de donjons mystères. Mes amis sont dans cette grotte, mes amis de 20 total étage, moins 6. Ouch, s'il vous plaît, délai. Ouais. Maintenant, plus de points XP, oui, parce que quand on attaque avec A, en fait, ça... Ah d'accord, il est... Avant, sur la sur DS, c'est vrai qu'il y a plus de boutons, donc on peut utiliser bouton Y et tout. Ah, une baisserie, d'accord, donc ça paralysie sans cesse. Mais attendez, je suis là, je suis con. Choisir un partenaire avec... Ah oui. Ah oui, choisir le... Ah, c'est Start pour ça. Alors, attendez. Donc ça, ok. On va désactiver ça. Voilà, donc ils montent encore de niveau, ouais. Cage éclair, ouais.
Ça, c'est bien, il faut le garder, ça. Alors, ça, c'est un truc pour les stats normales. Et on monte encore. C'est bizarre qu'on tombe toujours sur la... On tombe toujours sur la... sur l'escalier de la première salle. C'est pas très drôle. Gna 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 gna, ouais. Merde. Voilà. Un objet. Vous pouvez voir qu'il y a une mini-carte en haut. Voilà, donc une pomme. Ah oui, ça c'est bon ça. La... Les trucs qui remplissent la, la fin. Parce que... Il y a une gestion d'alpha dans ce jeu. C'est bien ça qui va nous ennuyer au bout d'un moment. Et qui s'amusent tous les deux. Voilà. Non, il n'y a rien ici. Voilà. Bon, techniquement, c'est ça un donjon. C'est un truc généré aléatoirement. Voilà. Et après, vous découvrez ça que quand vous n'êtes plus dedans. Alors, donc, je disais, il y a une gestion de la fin qui fait que quand vous vous déplacez, votre fin diminue. Alors, attendez. C'est là, regardez, donc estomac 91 sur 100, c'est ça. Voilà. Voilà, ça lui calme toujours ça. Plein de cases miracles. Et pas d'escalier. Ah, il y a l'escalier, voilà. Récupérons de l'argent, les cas. Attendez, non. Ah, on bourre toujours dans les boutons. Voilà, c'est pas grave. Oh, un volt orb. Ouh, ça c'est pas terrible, ça. C'est très efficace sur moi. Edith, je pense à un étage et qu'il a utilisé coup de boue. Alors. Alors, là. Non. Voilà. Raccourci. Voilà, j'ai qu'à utiliser coup de boue, ça sera plus efficace contre les volt orbs. Tiens, mais tenez. Alors certaines... La portée est variable. Hein. Ça fait moins de dommages que je charge, mais bon, c'est pas grave. Alors niveau 7, ouh, mon niveau augmenté. Puis max en augmentation. Et je pense que je vais finir ce... Ah bah d'accord, il a deux niveaux d'avance, c'est génial. Alors je pense que je finirai ce premier épisode... À la fin de ce donjon, on va pas s'italiser. D'ailleurs, j'ai pas trop envie de faire des trucs encore longs, le fait que la qualité soit tellement naze, mais de base, hein, je veux dire, à l'entrée, soit tellement naze que j'ai pas besoin de. Ah la vache. Voilà. Expérience, plein d'expérience. Expérience, ah voilà. Oh, attendez. Ah, une grave roche, ça c'est sympa parce que ça se balance. Sauf que la gestion des objets est tellement différente sur DS, je pense que je peux les utiliser, voilà. Pêcha, c'est pour le poison. Ah, j'ai eu le nez creux. Une pomme, c'est toujours utile. Allez. Et voilà, je suis normal. Il s'amuse un peu, c'est pas grave. Merde. Voilà, c'est bon. Allez, voilà, sortons de là. Oh, c'est sympa ça. Je suis content que ce gars soit bien passé aujourd'hui. Comme c'est le premier travail de surprise, je te dois dire que j'étais vraiment nerveux. Je suis épuisé maintenant. Je vais rentrer dormir. Devrais faire du bien demain. Au revoir. Alors, donc là, ouais, c'est pas grave. Je fais une sauvegarde instantanée et j'arrive. Normalement, ça devrait être bon.
Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça rappelle le questionnaire. Où suis-je? Peut-être, est-ce un rêve? Oh, il y a quelqu'un. Qui est-ce? Quelqu'un que je connais? Quelqu'un que je connais? Non. Pas à rappeler. J'adore comment il ronfle. Je crois que j'ai fait un rêve, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Allez, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas qu'à m'en sauver. Non, si j'y courrier, je vais regarder dans la boîte à lettres. Donc je pense que je vais arrêter là, les amis. Je vais vous dire au revoir et à la prochaine. Peut-être, je pense que ça va être une fois par semaine de Donjon Mystère parce que ça prend du temps. Et notamment pour la mise en ligne, je pense que je peux mettre une fois par jour. Non, ouais, on va voir ça, on verra plus tard. Donc l'épisode pilote de Donjon Mystère, Coco Keep Playing, salut à tous!